un nouveau centre du service national. Ça, c'est comme c'est fait pour Kanyamakase, c'est en 2019. C'est la première année, c'est-à-dire l'année d'expérimentation. Vous voyez déjà, lorsque nous disons que ce pays a du potentiel, bon, les gens pensent toujours que nous essayons d'exagérer. C'est un épi de maïs que nous produisons. Vous voyez, vous avez vu le champ, autant d'hectares de champ. Voilà le type de maïs que nous avons. D'ici un mois, on commence la récolte ici. Il n'y a pas longtemps qu'on avait annoncé le lancement ou l'ouverture du centre, mais déjà, dans un mois, on commence la récolte. Un fort potentiel. Regardez le type de maïs. Ça nous permet de comprendre les milieux, le comportement du sol, parce que même après l'analyse du sol dans des laboratoires, cela ne suffit pas. Il faut vraiment une expérimentation sur terrain. Et voilà, les résultats sont très encourageants. Est-ce que vous êtes satisfait totalement? Je ne dirais pas que je suis satisfait totalement. Parce que totalement, on ne le sera jamais. Même si c'est une année expérimentale, j'aurais bien voulu faire du 7 tonnes à l'hectare. Mais le tonnage que j'ai, en tout cas, sauf fausse modestie, dans la zone ici, allez visiter, si vous avez une ferme où vous pouvez trouver de telles carottes de maïs. Ça, c'est le service national. Il prouve de quoi il est capable. L'expertise est au service national. Lorsque vous demandez à quelqu'un bon, qui est à Kinshasa, qui est habitué à aller au travail, bon, il n'y a rien. Travail en guillemets, il n'y a rien. Et le lendemain, vous lui demandez que nous devons partir dans le Bas-Congo, nous devons rester en brousse, produire. En tout cas, c'est pas facile. Beaucoup ont déserté, ils ont pu fuir. Mais avec le peu qui ont accepté, qui ont manifesté cet engagement, voilà ce qu'on a produit. Il y a des difficultés dans le matériel. Je vais vous montrer avec quel matériel on a pu faire ce travail. Donc on a bricolé des tracteurs. Tu vois ces garçons ici, c'est mon directeur technique. C'est avec lui, de maître, qui a pu faire quelque chose. Du point de vue technique, nous n'avions pas de tracteur disponible qui était opérationnel. On a dû prendre 3 tracteurs pour en faire un. On a dû ramasser du matériel, charrues, couverts, mais il fallait qu'on... Comme on l'avait fait à Kanyamakase, nous avons l'expérience de Kanyamakase que nous avons dupliqué ici. Et voilà les résultats aujourd'hui. Les difficultés d'ordre financier, je ne cesserai de les dire, on en a toujours. Bon. L'intelligence, c'est que chaque centre qui fonctionne bien vous permet d'en créer un autre. Ainsi de suite. Mais cela n'est pas suffisant. C'est pourquoi je vous parle d'une année d'expérimentation. Nous aurions souhaité. Vous savez, ici, nous avons plus de 2000 hectares de disponibles qu'on peut déjà travailler même l'année prochaine. Ça demande du matériel. Nous avons besoin de tracteurs, nous avons besoin de semoirs, nous avons besoin de cover crops, nous avons besoin de moissonneuses. Tout ça, nous n'en avons pas. Mais je le crois, par la foi que, comme l'autorité suprême, le commandant suprême l'a décidé. Et il est déterminé que d'ici peu, je crois que l'année 2021 sera une année formidable pour les services nationaux. Le moyen, le matériel seront mis à disposition et nous ferons de grandes choses. Si avec le peu de moyens, vous voyez, nous faisons ça, et avec de grands moyens, on fera beaucoup de choses. Parce qu'il faudrait que Kinshasa Matadi soit ravitaillé vraiment. Généralement, le mois de décembre, le mois jusqu'au mi-janvier, il y a beaucoup de pluie. Mais on a constaté que cette année, il y a eu quand même des changements. Nous, c'est la première année que nous le faisons. Nous essayons un peu de suivre sur plusieurs années. Que cette fois, vous savez, on n'a qu'une petite fenêtre. La réussite d'une campagne agricole dépend de plusieurs paramètres. D'abord, il y a la planification. Nous l'avons pour 2021, nous avons déjà terminé. Il y a la mise à disposition de moyens. Pour 2021, par exemple, nous devons commencer à labourer au mois d'août. Mais nous n'avons pas encore de tracteur. S'il faut acquérir le tracteur, qu'il arrive ici pour être utilisé au mois d'août, il doit arriver ici quand? Juin-juillet. S'il doit arriver ici au mois de juin-juillet, il faut le commander quand? Parce qu'il doit prendre par exemple 3 mois sur le bateau, il faut le commander déjà au mois de février, au mois de mars. Pour le commander au mois de mars, il faut que vous ayez des moyens, que vous ayez déjà l'argent au mois de janvier. Mais nous sommes au mois de janvier, la question que nous posons, est-ce que nous avons encore l'argent? Qui êtes-vous pour arrêter la pluie au mois de novembre? Qu'elles vous attendent. Non, je vais d'abord chercher le moyen. Je vais semer au mois de janvier. Vous allez semer au mois de janvier, vous aurez un fiasco. Donc, c'est la nature. Nous devons obéir à la nature pour avoir des bons résultats. Donc, il faut respecter le calendrier agricole. C'est très important. Mais nous avons sollicité des moyens pour attaquer... Auprès du gouvernement.
Tout à fait auprès du gouvernement. Bon, il y a certains membres du gouvernement qui ont réagi et d'autres n'ont pas réagi. Vous comprenez de quoi je parle. Il y a toute une chaîne de dépenses. À tel niveau, on peut débloquer, mais à tel autre, on est bloqué et donc vous n'avez pas de, vous n'avez pas de résultats. Avec comme conséquence la perte de vastes étendues. Vous voyez, la perte de vastes étendues. Parce qu'il y a, bon, quelque part, quelqu'un n'a pas voulu mettre des moyens à votre disposition. La formation de qui? Nous misons beaucoup sur les délinquants. Les jeunes qu'on appelle, à Kinshasa on les appelle Kuluna. Et à Lubumbashi on les appelle comment? Vagabonds, je ne sais pas moi, vagabonds. Ou Chegué ou vagabonds. À Goma, ils ont... Tout ce monde-là, on a besoin de les intégrer. Vous voyez la première expérience que nous avons faite à Kanyamakassis. Au départ, les gens pensaient, les gens ont dit, ils vont échouer. Oh non, on va créer, on a exporté l'insécurité dans les Katanga. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. C'est une expérience réussie. Nous leur avions dit que toutes les dispositions avaient été prises et que les commandants suprêmes, chefs de l'État, nous avaient donné des instructions très claires pour qu'on réussisse. Et il est en train de suivre du jour au jour comment l'opération est en train de se faire. Parce que je crois et je pense qu'il a tiré les leçons de l'opération, comment on avait appelé ça, le COFI 2014, qui avait été décrié parce que n'ayant pas été mené dans des conditions, vous voyez, les gens avaient parlé du non-respect des droits humains. Et lui, le commandant suprême a dit, monsieur, vous faites des choses autrement. Il veillait vraiment au strict respect des droits humains. Ce que nous avons fait. Mais les gens ne nous donnaient pas la chance. Ils pensaient que les services nationaux n'avaient pas suffisamment d'expertise pour encadrer ces jeunes. Mais aujourd'hui, c'est une réussite. Aller à Kanyamakassi, vous voyez que ces gens sont, comment je peux dire, ils sont heureux. Ils sont contents d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. La même expérience, nous allons l'amener ici. Pour éviter, pourquoi nous avons amené les gens à Kanyamakassi de Kinshasa? C'est juste ça, au début, au départ d'une formation, même si les gens se sont fait enrôler volontairement. Les conditions dans les centres de formation, ce n'est pas comme chez soi à la maison. La tendance de fuir est toujours là. Moi-même, je suis passé par une formation de base. Et je vous dis, si c'était à côté de ma maison, j'aurais fouillé, je ne serais pas général-major aujourd'hui. Donc la tentation de fuir est là. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens en ont fait un problème, parce qu'il y a une tentative de fuite de quelques éléments. Oh non, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec, il y en a toujours. Même au campus, les gens avec qui vous avez commencé le G1, ce sont pas, vous n'avez pas terminé tous. Il y en a qui ont abandonné en G2, en G3, ainsi de suite. Pourquoi nous les avons amenés à Kanyamakassi? C'est loin de leur milieu d'origine. Comme ça, cette tentation, même si elle est là, il faut réunir les moyens pour fuir. Mais les gens mal intentionnés ont développé leur intelligence jusqu'à poursuivre ces gens, à faire échouer l'opération à Kanyamakassi. Ils ont tenté, ils ont envoyé l'argent là-bas pour faire fuir les gens. Donc ceux qui sont de la partie est, on va les amener ici. Ça sera un centre de grande importance, au même titre que Kanyamakassi. Les Kuluna vont être ici, ils vont s'occuper de l'agriculture, ils vont nourrir la population. Ils ne vont pas passer leur temps en ville, sur le boulevard, ou en train de montrer leurs biceps, c'est ici. Ici déjà c'est une occasion, je suis en train de vous annoncer. La deuxième phase de récupération des Kuluna de Kinshasa vers Kanyamakassi, le mois de février ici. Je peux même dire en Lingala, Bobongama, on vient le mois de février les Kuluna. Nous sommes encore en train de ramasser les Kuluna, nous les amenons encore à Kanyamakassi pour faire du travail. Ceux qui sont là-bas ont déjà fait plusieurs hectares. Nous en avons encore besoin. Ceux de Lubumbashi, de Goma, de Mbujima et consorts qui se préparent aussi. Cette année, le phénomène Kuluna doit prendre fin sur l'ensemble du territoire national. Ces jeunes-là qui pensent que la République, c'est une République bananière, ils sont devenus les chefs des gangs, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'autorité de l'État, ils se trompent. L'autorité de l'État est là. Le commandant suprême, nous en tant que commandant du service national, avons reçu les instructions claires du commandant, du commandant suprême de mettre fin à ces phénomènes. Ensemble avec la police et les autres services spécialisés, nous allons mettre fin. D'ici le mois de décembre, vous n'entendrez plus parler de Kuluna. On ne badine pas, c'est la vérité et c'est des choses très sérieuses dont nous sommes en train de parler.